C'est la première séance du cycle de commission formation de l'université d'été donc, 2021. Donc, c'est un cycle où on aborde un certain nombre de thèmes mais qui globalement est centré quand même sur la question de l'État. On aura en particulier une question sur l'État national à travers l'exemple de l'Irlande, un élément sur la réflexion de Marx sur l'État, vraiment un certain nombre d'éléments comme ça. Et dans cette réflexion sur un peu ce que c'est l'État, on a aussi introduit une séance sur les transformations de l'État, parce qu'on a souvent l'approche marxiste de l'État sur les choses du 19e siècle. Depuis, l'État a beaucoup changé, et en particulier les enjeux actuels de la période, c'est l'État de forme néolibérale qui se met en place. Pour ça, donc, on a demandé à Patrick, qui est membre aussi de la commission en formation, qui a longtemps été un pilier du stage qu'on organise ou qu'on organisait à TOT, et qui a publié déjà pas mal d'articles dans la presse du parti sur la question de l'État néolibéral. Et là, va nous présenter un petit exposé sur la question comment l'État libéral se met en place et quels ont pu être ces développements, hein, une des inflexions quand même majeures du capitalisme dans la dernière période. Donc, Patrick, la parole est à toi. Merci. Bon, on ne travaille pas assez sur ces questions-là, et je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir à la façon dont la bourgeoisie domine la planète, domine les sociétés, parce que l'histoire du capitalisme, c'est aussi l'histoire des formes qu'il prend pour dominer, c'est-à-dire l'État, hein, qui est l'État qui a pour fonction générale de protéger la propriété privée, de réguler les relations entre les divers capitalistes, parce qu'il y a des avis, des intérêts, des options différentes, qui a pour objet aussi de fournir les services indispensables à la société et de chercher à ce que les exploités et les opprimés trouvent très bien la société telle qu'elle est. Hein. N'ont pas envie de se rebeller, ils trouvent que tout ce système est merveilleux. C'est à tout ça que sert l'État. Donc, et pour cela, il y a des fonctions répressives, judiciaires, quand tout ça ne marche pas. Bon. Mais donc l'État, c'est l'histoire même du capitalisme. Bon. Il s'est produit au tournant des années, la fin des années 70 et années 80, dans le monde entier, un tournant dans cette forme de domination qui a profondément et structurellement modifié la façon dont les États capitalistes, dans l'essentiel de la planète maintenant, organisent la domination du capital. Il y a eu une rupture avec le système qui s'était mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était un système basé globalement du point de vue du capital, sur la peur de la révolution. La fin de la Deuxième Guerre, ils pensaient que ça allait être la même chose que la fin de la Première Guerre mondiale. C'est pas tout à fait de la même manière que ça s'est passé, mais enfin, il y a comme vu la révolution chinoise, l'extension du périmètre soviétique, des révolutions de Yougoslavie, en Grèce, en Inde, ensuite la révolution coloniale, il y a quand même eu une véritable vague. Et donc, face à ça, il y a eu dans l'ensemble des pays capitalistes développés, une vague qui a duré plus ou moins longtemps d'ailleurs, de formes de régulation du capital au travers de politiques keynésiennes, social-démocrates, enfin un capitalisme régulé qui s'est mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a eu quelques effets quand même pour les capitalistes. Hein. Pour vous donner une petite idée, aux États-Unis, la part du revenu national des 1% les plus riches est passée de 16% avant la Deuxième Guerre mondiale à 8% à la fin des années 60. Donc, ces politiques ont eu un effet. Bon, tant que l'expansion économique fonctionnait, la bourgeoisie pouvait s'accumuler de circules. Dès lors que ça a pu être le cas à la fin des années 60, il a fallu trouver une solution, d'autant qu'il y avait en plus une montée des luttes à cette époque-là. Et c'est ça qui a, comment dirais-je, enclenché le processus de néolibéralisation. Les tournants, on peut les fixer entre les années 78, c'est Deng Xiaoping qui met les premiers jalons de libéralisation de l'économie chinoise, hein, qui est un des processus
qui est un peu annexe à ce dont j'ai discuté, mais qui est quand même tout à fait important. Et 79, c'est l'élection de Thatcher. 80, c'est l'élection de Reagan. Bon, voilà. En 82, le FMI a plus un seul membre keynésien, par exemple. Hein, donc, le tournant, il s'opère là, même s'il y avait eu des expérimentations au Chili et en Argentine. Au Chili, après le coup d'État de 73, les néolibéraux s'emparent de l'économie. Deux ans après, hein, c'est en 75 que les Chicago Boys arrivent et mettent en place un système de libéralisation totale de l'économie, de privatisation, de casse de l'ensemble des acquis sociaux chiliens, qui était un pays assez proche de l'Europe hein, à cette époque, bon, qui est la première expérimentation néolibérale. Elle est un peu moins brutale en Argentine à partir de 1976, mais le véritable tournant, c'est quand Reagan puis Thatcher mettent en place des politiques néolibérales sur la base d'offensives contre le mouvement syndical, la grève des mineurs et la grève des contrôleurs aériens pour Reagan. Bon, donc ce tournant est là, et non seulement il y a eu ces politiques que je ne développe pas, vous connaissez probablement un peu, il y a eu à peu près à la même période, c'est au milieu des années 80, le tournant de la gauche social-démocrate dans le monde, qui est devenue une gauche clairement néolibérale. En France, c'est 82, dans les autres pays, c'est un peu avant ou un peu après. C'est-à-dire, au milieu des années 80, toute la gauche social-démocrate est devenue néolibérale, hein, qui était... et c'est l'abandon de toute idée qu'il peut y avoir une autre solution que le capitalisme libéral, par toutes ses forces. Aujourd'hui, ces politiques sont devenues totalement hégémoniques. L'OMC, qui est créé en 95, officialise le consensus de Washington, une série de règles qui donnent un cadre général néolibéral à l'ensemble des choix capitalistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je vais revenir un peu là-dessus, pas seulement parce que j'aime beaucoup les processus historiques, mais parce que c'est utile de voir comment cette option néolibérale a réussi à s'imposer, comment elle s'est construite. Bon, parce que la conception d'un État, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus mécanique, le simple reflet de l'évolution économique et des révolutions technologiques. La construction de l'État, c'est une construction clairement politique, avec des choix, bon, et qui façonne l'ensemble de la société et des relations sociales. Et dans cette bataille, parce qu'il y a des batailles, même au sein de la bourgeoisie, mais c'est pas un être unique avec une seule pensée, c'est une classe qui a des débats, des divergences. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand les processus naissent, ils se cachent moins derrière l'idéologie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, on trouve des arguments pour cacher ce pourquoi on décide ce qu'on est en train de faire. Hein. Quand les processus naissent, ils sont souvent beaucoup plus bruts de cisaille et beaucoup plus compréhensibles. Et c'est pour cette raison que j'en reviens sur cette période. C'est en fait dans l'entre-deux-guerres qu'est née les premières réflexions contre le libéralisme classique. D'une part, il y a eu la révolution russe, avec la poussée révolutionnaire en Allemagne, enfin en toute l'Europe, jusqu'en 23, en gros, entre 17 et 23. D'autre part, il y avait des forces social-démocrates qui, dans une série de pays, pensaient encore le socialisme. À leur façon, mais pensent encore le socialisme. Hein. Un des premiers penseurs du néolibéralisme, c'est von Mises, en Autriche, par rapport à la social-démocratie autrichienne. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment... donc, la rupture, c'est contre le collectivisme, ce risque-là, et contre le libéralisme du 19e siècle, qui a permis cette construction du danger collectiviste et socialiste. Donc, c'est une réaction à la fois contre le danger de la révolution, mais contre le libéralisme tel qu'il a existé au 19e siècle. C'est ce que Karl Polanyi, un des grands théoriciens, appelle la grande transformation. C'est dans les années 30 on a commencé à penser qu'il fallait arrêter avec ce libéralisme qui laisse fonctionner la société librement avec un débat politique à côté. Bon. Et donc c'est au sein d'économistes, d'industriels, de financiers, de responsables
que petit à petit est élaboré. Alors, il y a, je ne vais pas du tout développer ça, c'est l'époque où Keynes développe ses conceptions qui vont être dominantes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les néolibéraux, c'est en opposition avec ça. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut se donner les moyens que les masses ne puissent, à partir d'exigences d'égalité, en se coalisant, y compris dans la démocratie bourgeoise, remettre en cause le fonctionnement du marché. Il faut que le fonctionnement du marché soit une valeur inaliénable et indestructible. Bon, la première rencontre où ces questions sont discutées à fond et où est élaboré un manifeste qui s'appelle l'agenda du libéralisme, c'est le colloque Lippmann en 1938, vous voyez, donc c'est une réunion internationale, il y a tous les penseurs de l'époque, donc il y a Lippmann qui est un Américain, Hayek qui est de nationalité parce qu'il s'est baladé dans le monde entier, c'est pas très grave. Röpke, enfin voilà, tous les théoriciens qui vont être les maîtres à penser du néolibéralisme sont réunis. Et c'est un Français qui est passé aux oubliettes parce qu'il a soutenu Pétain, qui est un dénommé Rougier, qui résume tout à fait la conception générale, qui est la marque de fabrique du néolibéralisme. Hein. Il dit « Être libéral, ce n'est pas laisser les voitures circuler dans tous les sens selon leur bon plaisir. Ce n'est pas comme le planisme, fixer à chaque voiture son heure et son itinéraire. C'est imposer un code de la route, tout en admettant qu'il n'est pas forcément le même, autant des transports accélérés qu'autant des diligences. » Donc c'est l'idée fondamentale que le marché, la concurrence, ce qui fait vivre le capitalisme, n'est pas une donnée de nature. C'est une donnée construite, qu'il faut fabriquer, structurer, entretenir, développer. Ça ne vient pas naturellement. Et donc, dans cette logique-là, y a un ordre de marché qui est essentiel à la civilisation capitaliste. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a une véritable conception du fait que le capitalisme, ce n'est pas seulement un mode de fonctionnement économique, c'est une civilisation. C'est un mode d'organisation de la société globale. Alors, et donc, dans cette conception-là, ce n'est pas une disparition de l'État à laquelle on assiste. C'est à l'inverse, une implication de l'État extrêmement forte, mais pas pour diriger l'économie, pour faire le code de la route et faire que tout le monde respecte le code de la route de la manière la plus efficace possible. Et donc, ces gens vont donc ce colloque se réunit sur plusieurs jours, adopte un manifeste, met en place des centres de réflexion qui vont prendre plusieurs noms, mais le dernier, c'est la Société du Mont Pèlerin, qui a été fondée en 1947 et qui existe toujours. C'est-à-dire que tous ces gens continuent à se réunir pour organiser, discuter de ce que font les États, faire des propositions, etc. Alors, ils ont été, ils ont fait des petits, c'est-à-dire qu'ils ont gardé la structure, la Société du Mont Pèlerin, et ils ont créé la Trilatérale en 1973, et en 1971, le Forum mondial de Davos, que tout le monde connaît, et qui sont des lieux dans lesquels ils sont les maîtres à penser. Là, c'est à la fois, ce sont des lieux dans lesquels se réunissent pas seulement des politiques, des économistes, des industriels, et tous ces gens discutent des choix du capital. Et donc, alors ça ne veut pas dire, dans toutes leurs premières années, le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale ne favorisait pas l'expansion de leur projet. Hein, c'était assez contradictoire. Ils ont donc cherché à attaquer le biais. Hein. Alors il y a des biais qui commencent en 1947 aux États-Unis avec la loi antisyndicale, Taft-Hartley, là, qui est une loi qui empêche le mouvement syndical d'avoir une vie libre aux États-Unis, hein, qui est toujours en application, et qui casse tous les mouvements syndicaux tels qu'ils existaient, qu'ils ont existé jusqu'à la fin des années 30. Ils ont joué un rôle important dans la mise en place de la Banque mondiale et du FMI, hein, qui ont été mis en place en même temps que les accords Bretton Woods en 1944. Et ils ont attaqué
dans toutes les structures internationales. Comme dans les États nationaux, il y avait des consensus et rapports de force issus de la Seconde Guerre mondiale qui étaient négociés, ce n'était pas le lieu le plus favorable, donc ils ont agi à l'échelle internationale. Et donc, dès la mise en place de la communauté économique européenne, c'est eux qui sont à la manœuvre, hein, dans les conceptions qui sont en place. Parce que ce sont des cadres dans lesquels il n'y a aucune intervention démocratique, d'élection, machin comme ça, donc ils peuvent agir directement. Ils ont dès le début fait une véritable campagne contre l'État-providence. Et en France, par exemple, ils ont commencé, leurs premières interventions, c'est quand De Gaulle arrive. Le premier rapport dans lequel les néolibéraux élaborent tout ce qu'on va connaître dans les 25 ou 30 années qui vont suivre, c'est en 59. Hein. Donc vous voyez, voilà des gens qui construisent leur pouvoir par l'insertion dans l'appareil d'État et dans une forme d'appareil économique. Hein. Dans toutes les grandes entreprises françaises dont une part sont nationalisées, ils arrivent à être hégémoniques à la fin des années 50. Dans les universités, il y a un bouquin de Nord que je vous ai mis là, le néolibéralisme à la française, qui explique comment petit à petit ils gagnent des points dans ce qu'est l'organisation de la bourgeoisie intellectuelle, économique, administrative, petit à petit, comment ils s'emparent, ils avancent là-dessus. Le premier néolibéral qui devient président, c'est Giscard. Hein, et depuis Giscard, bon, pas répéter tout ça. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme qui s'est installé comme ça? Bon, c'est pas du tout un cadre homogène. C'est-à-dire qu'ils ont plein de désaccords entre eux sur beaucoup de points. Bon, ce qui est parfaitement clair, c'est l'opposition à toutes les théories de planification économique et à l'idée qu'il faut un État, mais un État suffisamment fort pour défendre la propriété privée, l'organisation du marché, de la concurrence, des libertés individuelles et des entreprises, avec l'idée que c'est vraiment une civilisation et qu'il faut défendre cette civilisation. Alors évidemment, entre la théorie, tous ces théories, Hayek par exemple, Friedman était derrière tout ce qui s'est passé au Chili, les Chicago Boys c'était Friedman, mais quand Thatcher est élu, elle rencontre Hayek. Et Hayek est vraiment un de ceux qui est directement derrière les décisions de Thatcher, au sens personnel de relations régulières, de documents, etc. Bon, alors, ceci dit, c'est pas pour autant que tout ça s'applique comme s'il y avait un plan machiavélique qui se met en œuvre petit à petit. C'est pas du tout comme ça que les choses se produisent. D'une part, parce que il y a des principes, mais il y a des constantes, mais le problème, c'est que les avancées vers une structuration néolibérale de l'État et de la domination bourgeoise, mais se font en fonction des possibilités politiques, des rapports de force, des situations nationales, enfin, c'est-à-dire qui créent à chaque fois des réponses dispersées, hein, même si les organisations internationales jouent le rôle qu'on connaît. Le Fonds monétaire international, les décisions qui aboutissent au consensus de Washington, qui est la nouvelle orthodoxie. Mais ce qui est réel, c'est que, d'une part, le marché mondial, avec la libéralisation qui commence au milieu des années 70, le marché mondial de l'argent s'unifie, les critères de comptabilité s'uniformisent, le type de production de valeur s'uniformise aussi, et toutes les logiques de construction de l'individu et de société néolibérale s'unifient. Tout ça en utilisant les crises économiques, le poids de la dette, voilà. Alors, ces politiques ont été financées, hein, parce que faut comprendre que les sociétés comme le Mont Pèlerin, ça, elles ne vivent pas de l'air du temps, elles vivent de,
de subsides patronaux, même d'État. Hein, le ministère allemand de l'économie finançait ces sociétés, c'est pour vous donner l'idée. C'est, voilà, on a des gens qui travaillent. Bon, et ce qui est vrai, c'est que tout ça s'est imposé en même temps que s'affaiblissaient toutes les doctrines de gauche qui étaient des doctrines alternatives au capitalisme. C'est ce qui explique d'ailleurs que toute la crise de 70 et tout ça a débouché sur, pas la révolution, mais plus de capitalisme, d'un certain point de vue, ou une forme de victoire du capitalisme. Alors, deux petits mots avant de revenir sur les caractéristiques et comment tout ça fonctionne. D'abord, c'est un peu l'évolution de la classe dominante. C'est que dans toute cette période, c'est-à-dire à partir du milieu des années 70, dans Capital, le noyau dur de ceux qui prennent le pouvoir, c'est évidemment, il y a toujours quelques grands trusts, des grosses entreprises, mais c'est le poids de la finance. Le poids de la finance et le poids de la technostructure, c'est-à-dire de tous ces spécialistes qui naissent à partir des années 30 et qui ont une relation entre qu'on connaît très bien en France, hein, ceux qui passent de l'ENA aux entreprises, aux postes de responsabilité de l'État, etc. Mais c'est une couche particulière qui existe dans beaucoup de pays et qui constitue un groupe qui repense l'équilibre entre le marché, la place de l'État et qui reconfie ou dure globalement les rapports de classe. Voilà. Même si il y a une seconde de financiarisation, hein, parce que qui est apparue dans certains pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ce qui est celle qui a financé le Brexit, par exemple. C'est-à-dire ceux qui étaient contre le Brexit, c'est la City, c'est-à-dire les secteurs de l'industrie et de la finance, assurance, enfin, qui ont structuré la richesse de la City sur la base de la réglementation européenne et mondiale, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué leur richesse là-dessus. Et il y a une partie de la financiarisation qui est complètement dérégulée, qui est sur des marchés annexes et qui sont des marchés beaucoup plus fluctuants et pour lesquels cette réglementation est un frein. Donc, et c'est cette partie-là qui a financé le Brexit, comme c'est cette partie-là du capital qui poussait Trump, hein, dans une ultra-libéralisation. Donc, il y a une évolution du capital, mais qui continue. Hein. Il y a un petit bouquin là-dessus, je ne sais pas si je le lis, oui, le dernier, Banquier Bourgeron, la finance autoritaire, qui explique, qui est une étude en finesse sur quels sont les capitalistes qui ont financé le Brexit et le livre. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment entreprise par entreprise, les sommes et tout, et on voit vraiment ce qui se dessine dans cette histoire. Bien. Alors, quelle est l'intervention de l'État néolibéral dans l'économie? Parce que l'État se réengage sur de nouvelles bases, avec de nouvelles méthodes. Alors, il est le gardien des règles de concurrence, le tout dans une collusion avec les grands oligopoles. Son objectif, c'est de créer des situations de marché, de les développer, hein, de développer celles qui existent, de créer quand il n'y en a pas, et de former les individus à tout ça. Il faut former les individus au marché. Alors, il promouvoit les droits de la propriété privée, du libre-échange, les institutions du marché, et il rend le plus possible deux secteurs à la sphère privée. Hein. L'État, il doit inventer, si besoin, des lieux de concurrence et de marché. Hein. Bon. On l'a vu, je sais pas, quand on voit le chemin de fer, par exemple, voilà un truc qui fonctionnait très bien, et on sépare et on crée des trucs qui sont en concurrence les uns avec les autres, au sein de chaque secteur, la tenue du rail, la tenue des locomotives, enfin, etc. Par exemple, face à la pollution, on crée des droits à polluer. Je sais pas, mais il suffit de revoir, de regarder ce qui se passe avec la crise sanitaire. C'est quand même la première fois quand on est vacciné qu'on connaît la marque du vaccin. Vous êtes vacciné contre le BCG, vous savez pas si c'est Moderna, Pfizer ou je sais pas quoi. Bon, et là, on est vraiment dans une réponse qui est une réponse de concurrence. Voilà, c'est la concurrence qui va répondre au système. Bon, ce qui est en train de se passer dans les régions, par exemple, c'est les concurrences des régions, comment les régions essayent d'avoir une... Enfin,
je peux continuer comme ça à l'infini, hein, mais on a véritablement un système dans lequel tout doit être privatisé parce que c'est la concurrence qui permet une vie libre. Hein, une vie dans laquelle chacune et chacun sont libres, c'est-à-dire les entreprises sont libres et les individus sont libres, d'entreprendre. Hein. Alors évidemment, pour ça, bah, il faut attaquer tous ceux qui se coalisent contre cette liberté d'entreprendre, c'est-à-dire les travailleurs qui revendiquent, les syndicats qui cherchent à faire que la concurrence ne s'exerce pas dans les mêmes manières, etc. etc. Bon. Et donc, il y a là-dedans l'idée qu'il faut écarter tout obstacle à la concurrence de manière institutionnelle. L'exemple le plus criant, c'est comment dirais-je, le Chili. Hein. Le Chili, il y a une comment dirais-je, ce qui est en train d'être mis en cause. Hein. Au Chili, des bombages, comme toute la mobilisation depuis 2019, hein, les bombages les plus répandus, c'est là où le néolibéralisme est né, là où il mourra. Hein. Mais la bataille sur la Constitution, c'est une question fondamentale au Chili. Parce que la Constitution a été conçue pour empêcher tout retour en arrière. Par exemple, la Constitution au Chili, il y a deux chambres, et il y a un tribunal suprême qui peut annuler toute décision prise par les chambres. C'est-à-dire, c'est un système dans lequel le verrouillage institutionnel empêche tout changement politique de changer la politique, enfin, les décisions économiques qui sont prises. Hein. C'est le même, c'est au niveau du Chili, c'est ce qui s'est passé, ce que tout le monde a vu avec la Grèce où un ministre allemand peut dire c'est quand même pas des élections qui vont nous empêcher d'appliquer les décisions qu'on a prises. C'est ça la logique. Hein. Il faut que le montage institutionnel, constitutionnel, soit tel que le seul choix qui reste aux électeurs, hein, parce qu'il y a là où il y a des élections, c'est de choisir qui dirige. C'est pas, surtout pas, de s'occuper en permanence de ce qu'il faut faire. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est institutionnaliser, constitutionnaliser, totalement verrouiller, hein, qui permet à la libre concurrence de se développer de manière... Alors, ça provoque une restructuration des relations dans l'ensemble des relations dans la société. Hein. Bon. Alors, même si, d'ailleurs, en même temps qu'on a ça, en même temps, les oligopoles deviennent encore plus gros. C'est-à-dire, c'est à la fois le développement idéologique de la concurrence, mais en réalité, les multinationales sont très fortes. Donc, par rapport aux combats sociaux, au réformisme social, il y a mise en avant de la souveraineté du consommateur. Hein. On oppose à la souveraineté du salarié, la souveraineté du consommateur. Hein. Et là, on a quelque chose qui est absolument incroyable. Hein. C'est une promotion politique du consommateur qui est l'individu qui est l'élément qui fait fonctionner la concurrence. Donc le consommateur est un individu extrêmement important, et donc tous les gens, tous les groupements qui créent des pratiques anticoncurrentielles s'opposent à cette liberté du consommateur, donc s'opposent à la liberté. Donc s'opposent à la liberté. Alors, dernier petit point sur cette constitutionnalisation de l'État, de l'État néolibéral, c'est que à la fois on a eu un verrouillage global sur la concurrence, sur le marché, la privatisation, et à la fois pour tout le reste, c'est ce qu'ils appellent la soft law. C'est-à-dire tout ce qui est les négociations d'entreprise, c'est de la soft law. Ça ne peut pas influer sur ce qui est constitutionnel. Vous voyez ce que dire, on a un système global qui verrouille les grandes décisions. Après, tout le reste se négocie gré à gré, mais dans le cadre de la concurrence, sans remettre en cause les grandes décisions. Et donc, pour tous ces gens-là, la démocratie, c'est juste le moyen de sélectionner les dirigeants. Hein. Je vais donner une petite citation parce que parfois c'est quand même très clair. Ça, c'est je ne sais plus si c'est Hopkins, je crois.
Un État qui adopte pour principe de soumettre son action aux règles du droit privé, c'est-à-dire à la concurrence, etc., ne peut prendre le risque d'une discussion publique sur la valeur de ces normes. Il ne peut prendre le risque d'une discussion sur la valeur de ces normes. A fortiori, ne peut-il accepter de s'en remettre à la volonté du peuple pour trancher cette discussion. Donc c'est vraiment, c'est un système dans lequel la démocratie n'est pas une valeur. Ce qui est important, hein, je trouve, le dénommé Rougier, je vais le citer parce que lui, c'est vraiment impressionnant. Le mot démocratie contient une terrible équivoque. Il y a deux conceptions de la démocratie. La première est celle de la démocratie libérale, fondée sur une limitation du pouvoir de l'État, le respect des droits de l'individu, du citoyen, la subordination du pouvoir législatif. La seconde est la démocratie socialisante, fondée sur la notion de souveraineté populaire. Elle conduit à la démagogie et par la démagogie à l'État totalitaire. C'est incroyable. Hein, la souveraineté populaire conduit à l'État totalitaire. Pourquoi ? Parce que c'est la logique collective ne peut conduire qu'à l'État totalitaire. Et donc, leur conception, c'est que la liberté, c'est la concurrence parce qu'elle s'oppose à l'État totalitaire. Donc on a véritablement là une conception de la société dans laquelle la démocratie n'est pas un élément décisif. Hayek, tous ces théoriciens préfèrent une dictature néolibérale à une démocratie qui ne l'est pas néolibérale. Hein. Donc, le critère principal, c'est la concurrence, la liberté, etc. Et du coup, c'est un état des experts. C'est-à-dire un état dans lequel l'art de gouverner est assuré par une élite aristocratique et les décisions importantes sont confiées à des institutions qui ne sont pas démocratiques. Quoi, hein. Bon, on l'a vu en Europe avec l'adoption du traité de Lisbonne, hein, c'est tout à fait clair. Hein. Le référendum dit non, le traité de Lisbonne se réunit et élabore un texte qui n'a aucune, qui est adopté par personne, mais qui s'impose et qui règle les normes de fonctionnement dans la concurrence libre ou faussée. Enfin, mais c'est la conception d'un État néolibéral. Hein. Alors, dernier petit point, deux points encore. D'une part, l'idéologie. Bon, alors, il y a dans les néolibéraux une véritable réflexion sur ce qu'ils vont faire du point de vue idéologique. Hein. Les néolibéraux se sont aperçus ils ont constaté que le développement capitaliste du 19e siècle avait provoqué des ruptures dans le corps social avec des déplacements de populations considérables et qui sont sortis du cadre qui était leur cadre de socialisation, la famille, le village, la religion, les groupes. Tous ces gens ont été envoyés dans des grandes usines par dizaines de milliers. Et c'est ça qui a favorisé le socialisme. Il faut casser ce truc-là. Il faut comprendre que ça s'est produit, c'est l'histoire, on va revenir dessus, mais il faut casser ce truc-là. Et donc, il s'agit, il y a même ça comme utilisation de déprolétariser les travailleurs. Hein. Et du coup, de fabriquer ce qu'ils appellent eux-mêmes l'œuvre entrepreneuriale. Alors ça, on connaît ça dans toutes les entreprises aujourd'hui, hein, dans l'entreprise et dans la société. Donc les salariés sont soumis à des systèmes d'incitation pour arriver... Chaque salarié est un centre de profit industriel individuel. Vous connaissez ces normes-là qui sont développées dans les entreprises. Hein. Les gens sont plus incités... J'étais inspecteur du travail dans mon ancien temps. C'est incroyable, quoi. C'est plus les ordres du chef, c'est les besoins du client. Et donc, chaque individu, même quand il est sur une chaîne de fabrication, il a 3000 personnes à travailler, il est responsable de ce qui va être donné au client. C'est pas l'entreprise, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a une norme qui conduit les individus à une logique de compétition permanente. Logique de compétition qui est dans les entreprises et au sein même des
individus. Et ces normes de fonctionnement et d'individualisation sont y compris intégrées dans l'État, hein, dans les services de l'État, chez les fonctionnaires. Alors bon, le client chez les fonctionnaires, hein, ça n'a pas grand sens, mais il y a réellement toutes ces normes qui sont systématisées et qui, du coup, détruisent les collectifs de travail. C'est-à-dire que ce n'est plus le collectif de travail qui est face au chef, qui, lui, est responsable de l'entreprise, c'est chaque individu qui est responsable de ce qu'il fait, de son plan de carrière, bon, voilà. Et donc, ça, c'est ce qui explique la souffrance au travail. Hein. Il y a les logiques de ce qu'est le travail, et puis le fait que la conception du travail qui conduit à la souffrance, mais aussi le fait que chaque salarié est responsable de ce qu'il fait, de ses réussites et de ses échecs. C'est pas à cause du système que ça va pas, c'est à cause de ce qu'il a, de ce qu'il ou elle a fait, de ce qu'il ou elle a fait. Et ça, c'est une violence terrible qui est exercée sur l'ensemble des entreprises et qui fait que les réactions collectives élémentaires sont de plus en plus compliquées dans les entreprises, parce qu'une politique comme ça sur 20 ou 30 ans, d'autant qu'elle s'additionne avec une externalisation, de la sous-traitance, tout un tas de systèmes qui font que les grosses concentrations existent de moins en moins, bon, a tendance globale à permettre une individualisation et un effritement de tous les collectifs de travail. Alors, en plus, bon, il y a donc l'idée, il faut que modeler les individus pour en faire des entrepreneurs en puissance. Quoi. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, le problème, c'est que les individus ne sont pas spontanément formés pour faire ça. Quoi. C'est-à-dire que chaque individu, d'abord, ils ont été formés dans un autre monde, et puis la façon de vivre spontanée n'est pas forcément celle-là. Et donc, il y a une bataille idéologique pour que toute la vie entière soit structurée autour de cette compétition des aides concurrentes, hein, dans les achats, si vous avez déjà cherché un bon abonnement pour votre smartphone, vous voyez bien ce que ça donne. On peut prendre un millier d'exemples, mais toute la vie, tout fonctionnement social est comme ça, et ça rend les réactions collectives extrêmement compliqué. Hein. Donc c'est une volonté de combattre ce déracinement, hein, et qui, de manière consciente, élaborée. Alors, il y a un effet pervers pour eux, c'est que d'un certain point de vue, ça unifie la société face aux difficultés. Mais enfin, il y a beaucoup moins de différence de mode de travail entre un fonctionnaire aujourd'hui et un ouvrier de l'automobile qu'il y a 50 ans. À cause de ça, pour le plan physique évidemment, le bruit, etc. Mais du point de vue idéologique, les choses se sont rapprochées. Avant-dernier point que je voulais traiter, c'est la question de la liberté. Parce qu'il y a sur cette question-là réellement un retournement qui s'est opéré, qui est assez terrible. Pollani, qui a écrit La Grande Transformation dans les années 40, dit qu'il y a de mauvaises libertés, comme les libertés d'exploiter ses semblables, d'empêcher l'utilisation par tous des inventions technologistes, de profiter des calamités publiques, mais aussi de bonnes libertés. Comme la liberté de conscience, de réunion, d'association, de choisir son métier. Bon. Eh bien, cette bataille contre cette conception de la liberté, hein, qui lie la liberté individuelle aux droits de l'homme, aux droits, à l'autodétermination, aux libertés politiques, cette liberté individuelle qui est liée à des libertés collectives, il y a une bataille frontale des néolibéraux contre ce qui se passe.
Moi, les manifestations anti-pass sanitaire sur la liberté de se vacciner ou pas de se vacciner, pour moi, c'est une illustration qu'il y a une véritable victoire idéologique sur ce terrain-là. Hein. Tout n'est pas une liberté. Voilà. Et donc, il y a réellement une rupture avec le cœur du concept de liberté tel qu'il s'est élaboré au cours du XVIIIe siècle dans cette affaire-là. Hein. Et qu'on arrive à l'idée que la liberté individuelle est supérieure à tout le reste. C'est celle des libertariens aux États-Unis. Hein. T'as le droit de porter une arme, t'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça, t'as le droit de penser ce que tu veux, t'as le droit de faire bon. Donc, et là, je pense qu'il y a, et qui est vraiment dans la conception des néolibéraux, une question centrale. Pour vous donner une petite idée, par exemple, de comment ils réfléchissent les choses. Quand ils ont envahi l'Irak en 2003, ils ont envahi l'Irak. Vous savez les premières décisions qu'ils ont prises ? C'est de libérer totalement l'économie, les capitaux, les entreprises, la privatisation, etc. Sauf le pétrole, parce que c'est ce qui finançait la guerre. Mais tout le reste a été totalement libéralisé, comme au Chili. Parce qu'ils sont convaincus que la liberté là, vient par ce bête-là. Parce que les intérêts économiques de l'Irak, en dehors du pétrole, n'étaient pas décisifs. Le choix avait une autre signification. Alors, dernier petit point dans cette ligne-là, c'est le débat. Oui, parce que face à tout ça, ils sont conscients qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est ce qui provoque les débats qu'on connaît sur la planète aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des options modernistes, hein, de ceux qui pensent que dans cette situation inédite de désadaptation sociale, il faut repenser l'action politique comme une intervention. Ça, c'est Lippmann, théoricien américain. Il faut repenser l'action politique comme une intervention artificielle, continue et invasive sur l'espèce humaine, en vue de la réadapter aux exigences de son environnement. L'environnement concurrentiel. C'est quand même incroyable. Hein. Alors, il y en a un autre homme que lui qui se dit « Oh là là, ça c'est dangereux ce truc-là, il vaut mieux quand même remettre en avant quelques valeurs comme la famille, des valeurs traditionnelles. On peut pas se lancer dans une révolution pareille. » Et Hayek, qui est le théoricien qui a le plus d'influence concrète en réalité, lui dit « Il est pour... La bataille des idées contre les collectivistes doit se jouer sur le terrain des projets pour l'avenir. Il faut une utopie libérale contre l'égalitarisme. » Donc, créer une utopie dans la liberté individuelle, je parle. Donc, et alors, évidemment, on voit bien les désaccords entre tous ces gens-là, ce qui explique les désaccords aux États-Unis ou la place des Orban, tout ça. Enfin, hein, c'est un véritable problème parce que ce débat sature l'espace politique, mais sans jamais remettre en cause les principes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des débats extrêmement violents, alors que le principe de fond constitutionnalisé, qui est la concurrence, le libre marché, le non-faussé, etc., est immuable. Alors, ces choix sont des choix de guerre civile. Hein. Le dernier bouquin des auteurs pour vraiment bosser là-dessus, que je trouve bien, qui s'appelle Le choix de la guerre civile, d'Ardon, Guéguen, Laval et Sauvette. Alors, c'est ceux qui ont vraiment écrit sur le néolibéralisme, le premier bouquin important, c'est La nouvelle raison du monde. C'est un livre qui a plus de 10 ans maintenant, qui est d'un abord assez difficile. Vous voyez bien, ça vaut le coup de le lire, mais bon, c'est un peu ardu. Mais c'est vraiment intéressant. Le choix de la guerre civile est beaucoup plus abordable. Et ils l'ont écrit avec d'autres auteurs. C'est un groupe de réflexion sur le néolibéralisme qui est un groupe international. Mais donc, il y a véritablement le choix néolibéral, c'est donc un choix de guerre civile. Cette conception est une conception qui porte en elle-même l'autoritarisme. C'est-à-dire que la façon même de concevoir le fait que la démocratie ne doit pas influer sur les choix, ça ne peut conduire qu'à des États forts, à des États autoritaires. Bon. Et ce qu'on connaît dans tous les pays d'aujourd'hui, c'est en fait un renforcement de l'autoritarisme, la remise en cause des normes démocratiques.
Bon, on a, et c'est pas à cause de la montée des mouvements sociaux, c'est-à-dire que c'est l'autoritarisme qui remet en cause la démocratie par lui-même. Quoi. Alors, qui utilise les attentats, qui utilise. Mais je veux dire, dans les pays où il n'y a pas d'attentats, on trouve d'autres excuses. Hein, au Canada, quand on est écologiste, on est terroriste. Enfin, il y a des lois dans tous les pays qui sont des lois du même type ou qui augmentent les droits de l'État, de la police, des modes de contrôle et qui diminuent les droits de la justice, des modes de décision au travers de la justice. Et c'est une remise en cause fondamentale des systèmes démocratiques. Donc on a véritablement, je vais arrêter là parce que ça fait trop longtemps que je pars, on a véritablement une modification globale. Donc, quand on compare ce qu'étaient les États européens à la fin des années 70 et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Hein. On n'est plus dans la même situation par plein d'autres aspects d'ailleurs. Enfin, là, l'objet de cette présentation, c'est l'État. On n'est plus du tout en face des mêmes États. Et il y a, ce que ça modifie en profondeur dans la société, on est obligé d'en tenir compte quand on veut changer la société et qu'on veut réellement se poser la question de prendre le pouvoir. Enfin, pas nous, mais les masses, quoi. Et on est obligé de se confronter à la façon dont ils sont organisés, les biais qu'ils ont et les batailles que nous, on doit mener. Voilà, je vais arrêter là.